وي تي دي تولي انت كي ساك طورنا مينوث اسنقذ سكير نروح فرحات مهني سلواي نونافاض اقبيلي اعضي الماك جي بي كا يراد ديوث نتسونت كوزر لو كوزر كيني يظلي يظلي منزور فورا زوج 2021 يوث نتواس وزاليس ثيني مويسما la Kabylie face à la France et sa fille l'Algérie. Thamouth ni qbayliyen de France akdiyelis l'Zayer. Nous hatid nsqdouch nek de Kamal Amari wa ni azul flak. Azul Rachid azul ikram ditwara. Est-ce que kanam zourou smeroula Kamal ou yfana dinir et au chum farhat manir yura turaka thawa sakin ines et de tmsaynou ka fmsal ni shudna ghaf mouthni qbaliyan ghaf fransa dhl dzayer wa kida sqsiw amzwaro maz mahti din ners francist pourquoi cette contribution maintenant de farhat mani président du mac gpk qui traite les questions relatives à la kabylie la france et l'algérie wa kien ida sqsiw amzwaro akamal سقسيك رشيد مزورو دونك يشود ويني عنان اي غار فرحات مني يخدمت سيت كونتريبيسيون خاطر سي ام تي بي باش يديك الرئيس فيني عنان الرابور بنجامان سطورا ندي خدم سويت لا كوموند دو بريزيدون فرنسا اسلوين فرنسا ايمانويل ماكرون دونك الفرحات يفاد ثمغليس خاطر نتاتي تولى باللي ثمورت القبائل نا با ايتي بريز اون كونسيديراسيون اون بو دير دون سور رابور دو بنجامان سطورا دونك نتاتي تولى باللي جوستومون اني شودن ومزرو يار الجزائر فرنسا توجور سوسيت اون بوليميك دونك الرابور يدخدم الصورة سوسيتي اون سيرتان بوليميك اي سورتو بارابور سي ريكومونداسيون اي غردارانت اين ديوسان كالرابور دونك بارابور او كونتوني مي سي بلوس لي ريكومونداسيون كي ا سوسيتي بلوس بوليميك دونك ايناد ايناد فرحات بلي غار لا لتر تبرات نكتب ماكرون يعني دينا باللي الى قيون دعاون في مغلين لان يار الجزائر فرنسا سي اون كيك سورت سي كوم يوكن ادي خدم يون ادي دور يون امي زمر باش تقعدنت لي ريلاسيون ني لان يار يار الجزائر فرنسا دونك مي فرحاتي تولى باللي بلي زمرسنا ني بلي تيمورلي نيلان والصحراء خطر امي دي لي دوموندين ان هيستوريان لو ريغلي ان بروبليم بوليتيك سي دير نورماليزي لي ريلاسيون يار الجزائر فرنسا دونك دون سون رابور اني il y a eu 21 propositions mais qui suscitent controverse c'est-à-dire il y a on peut dire des polémiques et des on peut dire des avis différents et ça suscite tout un débat et toute une polémique donc le postulat mais c'est en quelque sorte c'est comme une hypothèse en quelque sorte rohan gmogli ani la mémoire chfawath nilan trad yar zayer مثلاً واحد فرنسا serait à l'origine de l'incapacité des deux pays à stabiliser leurs relations. Donc يعوق نيلان et les problèmes نيلان يار فرنسا بالزيار توالنت باللي ستير ستشود يشفوات ستير على ميموار de la guerre d'Algérie فرحات ونيلان باللي il n'était pas d'accord avec ce postulat, avec cette hypothèse خاطر يتوالنت باللي سي بلوس سا رولي بلوس l'intuition que de l'analyse vraiment politique, parce que ça dépasse, on peut dire, cette question de conflit en matière d'histoire, en matière de conflit qui a existé par rapport à la colonisation française
مرت من الجزائر et de manière générale en Afrique et dans d'autres pays. Donc et d'ailleurs Fouad il a cité les Français, ça a plus de problèmes avec certains pays européens, ses voisins, l'exemple de l'Allemagne, même ça Français il a pu rétablir et établir de bonnes relations et avec ses voisins notamment فرنسا نغ الإيطالي فوالا سمتا دا شو ادينا فرحات فيني شو دن مريد نيني الرابور نخدم بنجا مستورا اين شو دن زمرس ناني ومزروغ نغ برابور à la question de la colonisation et la question de la révolution et la question donc des conflits qui ont existé entre la France et l'Algérie pendant la colonisation et notamment surtout par rapport à la révolution depuis entre 54 et 60. Akhar Rachid soumata je m'adra à territoire de Kamzour. Thanmel tha Kamal sqsi wissin e wachou Kamal Farhat Mendi yhesb awanik adzairien dawanik bghir aglan donc neta son nation دوين كني في الحساب إذا فني دينا إس الحاي إنك كي إيونا إغلانن إغلانن وار إيونا كي ما زمعت دينير فرانسيس تكمل أو يفون أر دينير بوكوا فرحات مني كونسيدر لتا الجيريان كم إتا سون ناسيون شارجي دي غوفرني دي ناسيون سون إتا أوكي دا سكسينو أكمل جستمو فرحات شي دولا يدولا بلي Donc, l'État algérien est un État sans nation, ni l'un chargé de gouverner des nations sans État. Et il veut parler en quelque sorte de Kabyle, du Touareg, du Chaoui, du Mzabillon. Oui, mais ils sont des nations, mais sans État. Donc, il doit être dit, Farhat, que l'État algérien, d'abord, il est illégitime. À Khatar, Amidili venait des constitutions sans constituante. C'est-à-dire, c'est comme si les constitutions de l'intime de l'Unilan, mais chez des gdouds et des ils vont rédiger les constitutions. C'est pour ça que c'est fort et la dictature. Oui, net d'arrente. Le populisme et c'est le populisme qui le nourrit et oui justement le populisme il a des conflits en France mais c'est juste pour de la consommation interne et c'est la même chose ses relations soit disons l'image qu'il dégage à l'extérieur contre l'Israël le Maroc nir les États-Unis. Donc, Farhat et Walet comme ils se remettent tout d'abord zéro comme étant un chantage, mais c'est plus justement d'un discours de la consommation interne pour pouvoir gouverner. Donc, c'est pour ça, Farhat et Walet, il ne faut pas prendre vraiment au sérieux les demandes récurrentes, faire la repentance, ni de Tessin, Sour, Widaknechman. Donc les officiels algériens, mais c'est juste, on peut dire c'est un discours de consommation interne pour de la manipulation. Dachouda Dakar, Farhat, il a parlé parce que c'est indifférent que les médias, le rapport Benjamin Soura, rejette la demande de l'excuse, de la repentance. Dachouda Rachid, il a dû préciser, une vidéo Annie Benjamin Stora est intervenu dans un média français Annie Dnebli il n'a jamais écrit ça donc c'est la vora d'Ekni Amidili ça relève plus de la manipulation de la presse ça a un objectif donc Benjamin Stora il a confirmé qu'il n'a jamais écrit dans son rapport Bli et il n'est pas question d'excuses ou de pardon ou de repentance. Donc c'est important de le souligner, c'est plus de la manipulation de la presse
اخاطر نتاتي ند باللي اسمي دو لونسين لي ميديا الحوايج داكشي ند باللي الرابور مازال عافنتش جلي با اونكور رومي او بريزيدون فرنسا سلوين فرنسا دونك ويند دونك ذا ذاك امي ديلي لو بوليتيك فرحاتي ند باللي ميديل البوليتيك حوايج en quelque sorte de convoquer l'affect, plus des sentiments, et net, il aurait dû plus judicieux s'adresser à un psy, que ce soit un psychologue ou un psychiatre, et Wakken, justement, ils vont en quelque sorte rédiger un texte, et Wakken, soi-disant, va s'adresser aux sentiments, aux émotions, yimdenen. Donc, voilà, Rachid, je vous remercie de la théorie et vous remercie. تنمث كمال ميدو دنظا أنقيس أكيري يورا بنجامان ستورا إيو سلوين فرنسا إيمانويل ماكرون أنقيس هذا الغابور أو يفن أردينيض كمال دشوث سنقذ إدي فكان مس فرحات مهنية إيو نقيس أكيري يورا بنجامان ستورا مز مثلين فرنسيست سيكوا لا كريتيك أبورتي بان فرحات مهنية président de GPK, au rapport de Benjamin Stora. Farhat, surtout, donc, il a critiqué le rapport de Benjamin Stora, car il n'a pas pris en considération, on peut dire, la résistance depuis la colonisation, ni pendant la révolution 54-62. Donc, Farhat, il n'a pas rare le rapport d'Histoire n'avait pas vraiment la vocation de réécrire l'histoire, mais n'avait pas aussi à faire l'impasse sur la Kabylie. Donc c'est comme si Farhat voulait qu'il y a un déni, on peut dire historique, un déni de la réalité. On a évacué totalement la question de la Kabylie et Farhat voulait que la Kabylie était un acteur principal de la résistance de la guerre d'Algérie pendant la colonisation française. Donc, il y a une sorte de déni. Et Farhat Idwalabli, c'est un déni qui est traduit par une sanction, on peut dire, d'omission volontaire, historique et officielle. Winnet Bli, justement, François a pardonné à l'Allemagne, mais il refuse de faire l'éponge sur la résistance kabyle. Contre ça, on peut dire en quelque sorte, et la résistance kabyle contre la colonisation française. Donc, c'est pour ça que justement, le rapport de Stora et les polémiques sur le passé colonial français ne cessent de rebondir à chaque fois. Justement, l'histoire, on peut dire, c'est comme s'il est toujours utilisé. À des fins politiques et de manipulation. Donc, il est possible de voir toujours des querelles incessantes. Il est possible de voir aussi la panne de projets d'avenir entre les deux pays. Donc, rapportons justement ce conflit-là historique. Il y a toujours des obstacles pour. Il empêche réellement, au fond, d'aller vers des projets sérieux entre les deux pays. Donc, il y a. Tout peut être remis en cause. Mais. Il n'y a pas seulement panne, on peut dire, entre les deux pays, mais c'est plus une faillite de tout projet entre les deux pays. C'est-à-dire que c'est juste une panne, c'est une faillite. Ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité réellement au fond. Achatar toujours déjà Farhat Idwalabli, le découpage, la délimitation des pays post-coloniaux. Donc, ça veut dire Asmi, il y a eu des indépendances à Midili, Thiloufa, Achatar, le traçage, il manque de manière artificielle. Et les frontières tracées par le colonialisme français ne sont pas basées sur des réalités naturelles, mais c'est un peu plus artificiel. À Khatar, on a séparé des peuples qui ont, on peut dire, une certaine homogénéité en matière de vision, de culture, de langue et de civilisation.
تنمرت كمال دنايا وين غاو سقسي ويس ربعة وكوز ويفرع دنيا كمال اي وشو فرحات مهنية يحسب فرنسا نار يقار دكن فرنسا دو لقرار اكني اتبدل ثمغلينس غاف مغيلن سدولة سدوت مهرسينس نعمز مثل دنيا فرنسيست Kamel, pourquoi Farhat Mehdi considère que la France doit changer sa vision ou bien de vision sur ses anciennes colonies? Justement, Kidna Rachid, justement, Farhat Ishoudat, justement, par rapport au traçage des frontières, justement, Ined Bli, France doit prendre conscience, Bli, il a fracturé délibérément des peuples en faisant des frontières qui ne correspondent pas justement à des réalités naturelles. Par exemple, je me retrouve par exemple des Touareg, l'Anhirat, par exemple, il Zayer, l'Ouet, il Mouraïtan, par exemple, justement, par exemple, entre, par exemple, je ne sais pas, le Zayer, le Maroc, par exemple, je me retrouve, il Maziran, il Jéha, il Zayer, il Maziran, il Jéha, Netan, etc., le Kouvayel, ou Anaki Shawin, tout ça, Farhat, ou la Bli, il Ouet, il a le traçage, il manque selon des réalités, on peut dire, identitaires, historique de, qui partage une même vision. Donc, Farhat Ikwalabili, justement, depuis le coupage de Dakar, il sera remis en cause. Donc, comme étant un grand crime, soutenir les dictateurs africains contre les aspirations des peuples à la liberté, et Ikwalayat Farhat, du même ordre que le fait colonial. Donc, si aujourd'hui on dénonce le colonialisme, il faut Hatit Walabli, il faut d'arrêter justement de dénoncer, justement, on peut dire, ce qui a été fait par le colonialisme en matière de traçage des frontières. Il a brisé, on peut dire, des peuples parce qu'ils sont séparés ou ils sont reconstitués ou ils sont même mélangés avec d'autres peuples qui n'ont pas la même vision, et c'est pour ça justement il doit l'habiller en quelque sorte, il a pas on peut dire son propre état, aussi des centaines de peuples de l'Afrique de l'Asie demandent des réparation, mais si matériel mais symbolique mais politique, ça veut dire il a vers l'application des conventions internationales, c'est-à-dire que dans le droit à l'exercice des peuples de disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire, par exemple, y aller vers des votes pour l'autodétermination. Et d'ailleurs, c'est pour ça que justement, Mac, il trouve autonomie, l'autodétermination, ça veut dire il a qu'ils vont décider de leur avenir, est-ce qu'ils sont pour ou contre l'indépendance de leur pays. Est-ce qu'ils vont continuer à être rattachés, on peut dire, au pays central ou se démarquer pour constituer son propre pays, donc vivre avec ses propres institutions. Il faut réhabiliter justement ce droit pour le peuple et pour tout ce qui le demande, c'est-à-dire, et donc il va, Farhat Walabli, c'est-à-dire qu'il décolle justement ce droit au peuple de décider de leur avenir, de leur liberté, il va participer sûrement à la reconstitution d'un monde et d'une humanité apaisée et réconciliée. Donc pour éviter les conflits, Farhat Walabli, la solution, c'est justement de permettre au peuple d'aller s'exprimer pour son autodétermination, et cela, il y a un droit on peut dire international, qui permet au peuple justement d'y aller exprimer leurs vœux. Voilà, Akarachid a choisi de soumettre d'Achidina Farhat. Donc, il a saisi l'occasion, le rapport de Benjamin Stora, Fénichouden, justement, on peut dire, une histoire tumultueuse entre l'Algérie et la France, et Waken soit, disons, d'apaiser les relations ni l'un ni hier, ce n'est pas Moura. C'est pas ça la solution, c'est pas ça le problème, et surtout on demande à un historien de trouver des solutions
politique, alors que ce n'est pas son rôle, l'historien, ce n'est pas son rôle de l'écrire, de trouver des solutions politiques, mais c'est l'écriture de l'histoire. تنميتك كمال لكن نتتجرع وسقسي عن جارو وسقسي عن جارو كمال لكن نقطة تنمية الفكرة تاع الدفنير هذا شو التمسير يمنع المدن ينزمد من سفر سيتو سكير يورا فكرة نظام في تسميثير فرحات منير ذي سغونت لو كوزر ديفران اظلي اس منزو نفورا كلا شو تقولها باللي دسونسيال زم ديك سيون تيمسيرين فيني دي شودن الى كونتريبيسيون فرحات في زوارا امزرو سي ان انجو بوليتيك سادير تالوف نتسرتي سولفي لا كيستيون دو ديتيرميناسيون ريليف دي دروا انترناسيونال اي كو تو ديبون ريالمون او فون دي انجو ستراتيجيك ريجيونو او نيفو انترناسيونال خاطر لان ا مومون دوني دون ليستوار سيل يا يو لا بوسيبيليتي كو سيرتان بيي بويس y aller vers voter et créer des conditions favorables pour aller décider de leur avenir, c'est parce qu'il y a eu un contexte particulier et ça dépend des grandes puissances qui l'en veulent. Donc, si les grandes puissances ne veulent pas d'un changement en Algérie ou ils ne voient pas de l'importance dans ce contexte-là, donc rien ne va bouger. Donc, toutes les puissances, ce sont les États, ce sont des relations d'intérêt. Donc, toujours, ce sont des questions qui se posent. Surtout les grandes puissances. L'indépendance. Donc, de réfléchir et de se poser des questions. Il y a le cas de la Catalogne. Comment se fait-il qu'en plein Europe, dans des pays démocratiques, il y a eu le vote en Catalogne, il faudrait oui pour l'indépendance, même ça, ce résultat-là a été rejeté, donc on a même emprisonné et même certains de leurs leaders sont en exil. Donc il y a aussi le cas des Kurdes en Irak, donc on a quelques exemples quand même que même si les peuples ont voté oui pour l'indépendance, mais les résultats ne sont pas reconnus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le contexte international, ça veut dire que ce sont les vœux de certaines puissances et tout dépendra de leur intérêt, donc un certain nombre d'enjeux. Donc c'est pour ça la question d'indépendance, ce n'est pas une question simple, ça dépend d'un certain nombre de facteurs à l'échelle internationale. Ce qui est sûr, ce qu'il fallait toujours retenir d'essentiel, c'est que il y a un consensus qui se dégage en Kabylie, c'est que les Kabyles veulent leurs propres institutions. C'est le minimum. Après, il faut que les Kabyles veulent que Amzrou, c'est aussi un processus, ce sont des étapes qu'on doit bien réfléchir pour ne pas griller des étapes et pour ne pas mettre la Kabylie en danger. Il faut essayer de trouver justement ce consensus et aucun adhérent y won, aucun thème n'est sans tazel, surtout par exemple, et l'éducation, parce que Thimourli ne donne le projet de société, Zmreslani a son farnité, il choude à tasse et au rebaz. Donc, si on ne récupère pas l'éducation, la Kabylie risque de sombrer dans l'islamisme et l'arabisme, parce qu'il y a l'arabisation. Il y a l'islamisation de la Kabylie. Avec le temps, on risque de vraiment se retrouver devant des situations délicates. D'ailleurs, il y aura un zar. L'islamisme et l'arabisme de s'installer en Kabylie à travers l'organisation de Rachat. Donc, on a à chaque fois la Kabylie. Ce n'est pas un acquis définitif que, soi-disant, il est orienté vers la démocratie, même si essentiellement, 99% de la population est acquise à la démocratie, est acquise à la culture kabyle et à Mazir, des choses, il ne faut pas sous-estimer le travail dans les institutions de l'État, le travail des appareils idéologiques et des manipulations et des financements. Donc on voit que les Kabyles, malheureusement, ils sont tombés dans le panneau, dans un certain conditionnement. Et
même, je pourrais dire, même par naïveté, de croire certaines organisations comme Rachat, ce sont des organisations qu'on peut travailler avec elles. Alors que ce sont des organisations qui ont un projet de société qui s'oppose totalement à la vision du monde de Mourtel Kbaïl. Mourtel Kbaïl est d'essence démocratique, il est d'essence laïque, il est pour l'universalité, ça a ses propres valeurs, il faut qu'on les défende. Tout ce qui est comme arabisation, islamisation, ce sont des intrus dans la société kabyle, on doit faire barrage et la population doit prendre conscience. C'est-à-dire, c'est pour cela que, à mon avis, un consensus, une dynamique de convergence en Kabylie entre les acteurs politiques essentiellement, un terrain dont on doit être trouvé. Un, urgence, récupérer l'éducation. Deuxièmement, s'entendre sur un minimum, un statut particulier ou une autonomie régionale ou un état régional pour y aller vers l'instauration ou la récupération, on peut dire, de l'instauration d'un système qui va permettre à la Kabylie d'avoir ses propres institutions. Et après, on laisse le temps, autant, on peut dire, à l'histoire pour déterminer réellement au fond, en quelque sorte, il y a des éléments, des événements, je pourrais dire, historiques qui peuvent accélérer l'histoire. Voilà, Rachid, à chose de mes dernières sous matin, à chose de mes dixiouen, Tim Sirin, la contribution de Farhat, le magazine Causeur. تنمية كما لكن ستجران انتوا ساكين نعصرت انتوا ساكين نخدم من كذا كمال أمبارين فيني شدن ثوى سيدي سوفا إثيك نظام مس فرحات مني سلواي جي بيكا نلماك إضلي أمن زون فورا زوج الله في 21 ثيني ميسما ثيدينا كيكين أزوليس فرانسيست Ismaïs, la Kabylie face à la France et sa fille, l'Algérie. Anmlil, de Thawassini de Sidon, de Gazan, Tlawin, Tikvelien, et Mazeran, qui est sous Matar, et Sierra Ardenne, Aoundine, Kemadi Thalouin.